Lex Kalash, Yeji, une fois de plus, hein, yo, yo, c'est ça mec, yo, yo. Parfois on se dit que tout est déjà écrit, on se dit qu'on espérait tout et qu'on est arrivé à rien. On se croyait arbre solidement bâti alors qu'on n'est qu'une brindille qui boit sous les assauts du quotidien. Comme cette foutue flemme qui a tendance à m'empoigner. J'ai plus l'impression de vivre même si je sens une pulsation dans mon poignet. Et cette garce de monde qui me rappelle que ma fin approche. Ça coûte 600 francs de ma poche pour un compte à rebours sponsorisé par Swatch. Tout ça n'est qu'un sprint vers la mort. Et faut en sourire comme un gosse en juillet qui court vers la mer. Ça pue le pourri dans ma prose. À croire que c'est tous les jours vendredi 13 et qu'on verra jamais le samedi 14. C'est pas par les armes et par le sang mais par le mic et par le free. Je vois pas de révolutionnaire ici, juste de putain d'MC. C'est pas par les armes et par le sang mais par le mic et par le free. Pas de révolutionnaire ici, juste de putain d'MC. Ils peuvent se faire baiser pendant 6 ans, se balader dans leur rue, voir plein de corps gisants. Au moment qu'ils sont pas dérangés dans leur sommeil, c'est bizant. Et reviennent réélire leur bourreau sans un gramme de mauvaise conscience. Pour leur pense ou à peine que Sam des puisse aller danser. T'inquiète, qu'ils sentent pas agressés. Ils lâchent leur ration de doléances chaque matin au comptoir. Ensuite, c'est bon, ils peuvent s'en reprendre plein la mâchoire. Des humains comme eux pourrissent derrière des bancs, se balader dans leur rue, voir plein de corps gisants. Au moment qu'ils sont pas dérangés dans leur sommeil c'est bizant. Et reviennent réélire leur bourreau sans un gramme de mauvaise conscience. Pour leur pense ou à peine que Sam des puisse aller danser. T'inquiète, qu'ils sentent pas agressés. Ils lâchent leur ration de doléances chaque matin au comptoir. Ensuite c'est bon, ils peuvent s'en reprendre plein la mâchoire. Des humains comme eux pourrissent derrière des barreaux. Derrière des mots de liberté, la France fouette des chicots. Des gosses se chicotent, dis-leur ça chie mon pote. Tant qu'ils voient pas le gramme devant leur porte, ils disent tu chipotes. La baisse du chômage, la misère meurt. Parce qu'à chaque lascar qui traîne, on fout un blouson médiateur. Par les armes et par le sang, j'avoue que ça claque comme formule. Quand y'a TF1 comme formol pour une foule de mules, ça équivaut à zéro, presque rien, quasi nada. Mais alors pourquoi les fusées décollent encore de la Kalash NASA? Parce que tant que des crétins se taperont dessus au stade, tant que des fascistes squatteront nos mairies, tant que la bêtise ici prendra du grade, on sera toujours là à rétablir l'équilibre. Ça part, c'est pas par les armes et par le sang, mais par le mic et par le free. Je vois pas de révolutionnaire ici, juste de putain d'MC. C'est pas par les armes et par le sang, mais par le mic et par le free. Je vois pas de révolutionnaire ici, juste de putain d'MC. Eh mec, ça fouette la défaite, parce que les types d'en haut qu'on a beaucoup pillé, pour connaître que leur plan est bien payé. Ils nous sourient de toutes leurs dents blanches, alors que c'est un processus de sodomie sans blanche. Eric sans situation irrégulière, bien obligé de les expulser. Mais des ex, tout ce caca sur la cocarde et c'est tarade. Garder mes frères est mon unique métier grâce à leur amitié. LDX, c'est plus que trois lettres en pendentif. Ils sont mes seules certitudes au milieu d'une tornade de doute. Le seul itinéraire valable au milieu d'une rafale de route. Je veux passer du singulier au pluriel, mais je reste prudent. Les mots potes et plus de divers que d'une voyelle. C'est pas par les armes et par le sang, mais par le mic et par